Partenaire stratégique du Tchad dans plusieurs domaines, depuis le 18 février 2018, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine au Tchad, Li Jianqin, est arrivé en fin d'émission. Le 28 mai prochain, il va devoir quitter le pays. Mais avant, il multiplie des rencontres avec les autorités tchadiennes pour leur dire ses adieux. Ce lundi 16 mai 2022, c'est le maire de la ville N'Djamena, Ali Haroun, qui est à l'honneur. Le diplomate chinois lui présente ses gratitudes pour la parfaite relation et l'hospitalité. Je pense que cette ville m'a laissé une grande impression et j'ai également cet honneur et cette fierté de servir également votre ville, la ville de N'Djamena, en tissant donc le lien entre votre ville et la ville de Chongqing de la Chine. L'ambassadeur chinois dit quitter le Tchad avec des bons souvenirs. En reconnaissance de ses multiples efforts en faveur du peuple, le maire de la ville de N'Djamena, Ali Haroun, lui offre un présent avant de le conduire dans la salle de réunion. Occasion ultime pour l'ambassadeur Li Jianqin de voir des images des personnalités qui se sont succédées à la tête de l'hôtel de ville de N'Djamena.